Bonsoir Zamilio, c'est un plaisir pour nous là ensemble avec vous sur Lens Music. Et moi c'est Lens Day Bernard, un professionnel en musique. Donc c'est là, c'est sous Chanel ça que vous avez besoin de tout ça vous besoin concernant la musique et spécialement piano qui c'est l'instrument principal moi. Donc je dis à la nouvelle avec une nouvelle vidéo pour vous. Et côté que n'a parlé et de accord septième yo. On fait plusieurs piano tutoriels côté que m'utiliser des accords septièmes, mais t'as semblé que y a des gens qui confus à cause que y a tant de concepts là, mais en réalité y a pas vraiment qu'on s'allie en profondeur et y a pas comment les former. Donc c'est pour ça nous là aujourd'hui, hein, donc nous venons parler sur accords septièmes. Si ou pourquoi abonner, fais ça qu'on y a, cliquez bouton abonner hein, et puis like vidéo à tout, like salope couteau, prends une seconde. Like. Donc, et on partit pour vidéo. Ok, nous venons pour nous parler de accord septième. Prends son, prends temps, tendez ça m'a dit et puis on va comprendre. Accord septième non, c'est une extension, un accord majeur ou bien un accord mineur. C'est-à-dire ça veut dire c'est un accord majeur ou prend ou ajoute un septième là-dedans, un septième note là-dedans, ou bien un accord mineur que on prend ou ajoute un septième là-dedans. Ça veut dire que accord septième yo, yo gen deux racines principales qui c'est accord majeur avec accord mineur. Après ça, on parlait de accord diminué septième tout, mais c'est une structure qui est complètement différente. Et je vais parler de ça déjà. Si vous regardez la vidéo sur accord diminué, je vais mettre le lien dans la description pour vous. Et puis, si vous cliquez en l'air tout, et bon côté écran, vous avez besoin de tout. Vous pouvez cliquer sur lui. Si c'est sur YouTube, vous regardez, vous pouvez cliquer sur lui pour regarder directement. En BC, j'aime dire que c'est deux grandes branches qui gagnent accord majeur avec accord mineur. C'est là-dedans où vous allez jouer une extension, ça a qu'une relève septième. Vous avez l'autre extension toujours, vous avez 9e, vous avez 11e, vous avez 13e, etc. Mais je dis qu'on a parlé de accord septième. Si nous sommes à partir de racine accord majeur, nous avons joué deux catégories de accord septième. Nous avons joué accord majeur septième et puis nous avons joué accord septième. Accord septième, yo qu'on relève autour dominant, accord dominant, accord septième dominant. Donc, nous, on va le montrer nous comment pour faire. On a commencé avec accord majeur, yo. Donc, on va le montrer comment pour faire accord majeur septième nan, et accord septième dominant. Premièrement, pour accord majeur septième, qui s'en fait? C'est un accord majeur que on prend, un accord majeur. Nous avons un accord majeur déjà, je fais une vidéo sur ça. Si vous connaissez tout, vous pouvez regarder la vidéo que je fais sur l'IA, que je mets le lien dans la description en même temps encore. Et vous pouvez cliquer sur la vidéo en l'air à droite, et puis vous pouvez regarder. Donc c'est ça, vous prenez un accord majeur. Par exemple, dans le cas ça, nous prenons Do majeur. Et puis vous comptez 7 touches sous gamme de Do majeur là, à partir de Do. Bon, je fais le pour vous. Vous faites. Gamme de Do majeur là c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et pour Gendo, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire c'est note ça qui c'est Si que on peut l'ajouter avec accord de Do majeur là pour le vinbor accord de Do majeur 7e. Ça veut dire que on peut ça Do majeur plus 7e note là. Donc, ça c'est accord de Do majeur septième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est Do majeur septième. Après ça, nous avons tout accord septième dominant, que en anglais, on connaît les flat 7. Et flat 7, flat, c'est comme ça, on dit bémol. Et comme si on dit septième bémol. C'est même accord septième, ça, que on prend, wap bémoliser. Wap prend septième, non, bémoliser. Donc, ça, c'est accord septième dominant. Après ça, pour accord mineur dans lui-même, on va prendre un accord mineur et un accord mineur régulier. Dans le cas, ça nous prend Do mineur. Et puis, même dans tout est utilisé pour dominant, septième dominant, qui c'est septième note là bémolisé,
c'est lui même que on peut l'utiliser et dans cas ça le ça là m'gagne accord do mineur 7e. OK, si n'ta laissé faire même travail ça son l'autre gamme, on dit que n'a fait le sous gamme de la. Donc nous besoin faire un accord majeur 7e sous gamme de la. Ça c'est accord majeur là, ça c'est la majeur. N'a seulement prend même accord ça et puis nous ajouter 7e dans soli. Nous gagne 1 2 3 4 5 6 7. Donc ça c'est 7e là. Nous fait ça libano accord majeur 7e. Et si nous avons fait 7e dominant, c'est même travail là, nous seulement bémoliser note ça qui c'est sol dièse et puis la vient tomber sous sol la direct. Pas oublier que bémoliser une note, ça veut dire avancer à gauche de yon touche. Ou bien si nous pas parler dans contexte keyboard, nous tape seulement dit c'est retirer yon demi ton sous li. Après ça pour la mineur 7e là, nous fait accord de la mineur et puis nous contrôler 1 2 3 4 5 6 7 et puis 7e note là nous bémoliser. Là nous gain accord de la mineur 7e. Après ça gon l'autre accord 7e encore que yo presque pas utilisé mais qui existait quand même, que n'te carré mineur majeur 7e là, que n'ta pral fait accord mineur là. Et puis nous tap utiliser 7e note là. Ça qui t'a pral ba nous encore mineur majeur 7e, que nous pas besoin occuper nous de ça parce que moi pour que j'aime moins jouer, moins tomber j'aime jouer long fois, moi j'aime utiliser long fois et si m'utiliser accidentellement même ba j'aime moins compte de ça, m'ba j'aime utiliser accord comme ça. Kounya m'bral ba nous quelques astuces pour nous capable rappeler nous de accord ça au plus rapidement, plus facilement et pour ne pas obliger à contrôler 1 2 3 4 5 6 7 avant que nous réussissions. Premier bagaille pour nous mettre dans tête nous, c'est que 7e note là toujours yon demi-ton plus bas que premier note là. Tant qu'on en cas de do. Ça c'est do pas vrai? Toujours songer que 7e note dans gamme de do a li yon demi-ton, avec dit c'est si ça qui vient avant note qui vient directement avant et premier note là avant do a, c'est lui même qui 7e note là. Avec dit dès pour un accord de do majeur qui gagne et si là-dedans qui gagne 7e note là, il te met sous forme ça ou bien formé avec n'importe l'autre renversement comme ça. Depuis nous c'est ou utiliser 7e dans là, 7e note là qu'on est son majeur 7e ou gagne amour. Après ça depuis et après ça pour faire 7e dominant, qu'on est que 7e dominant flat 7 là et 7e qui bémolisé a li yon demi-ton, li yon ton dirais-je avant premier note là. Ça veut dire la deux demi-ton. Si c'est yon ton, c'est deux demi-ton. Elle me fait 1 2 deux demi-ton ça yo. On y a depuis me joindre yon note comme ça en dedans accord majeur là, qu'on est que me gon accord 7e dominant. Et comme ça tout si me d'ajoute note ça en dedans accord mineur là tout, qu'on est que me gain yon accord mineur 7e. OK, donc si me gain ça que me gain ça ou bien me gain ça ou bien me gain comme ça, c'est yon mineur 7e que me gain. Donc on prend un cas de la mineur qui plus facile pour nous visualiser. Nous gain que nous gain comme ça ou bien gain comme ça ou bien gain comme ça, ça c'est la mineur 7e. Après ça pour dominant, nous gain accord ça comme ça comme ça comme ça comme ça, n'importe gens l'idée. Quand il y a un bagage que nous pas doué qui t'est trompé nous, c'est le fait que tous les quatre notes ça yo pas obligé jouer avec un seul main. Donc par exemple si me fait ça m'gain tous les quatre notes la mineur 7e yo m'gain et mais accord la mineur là. Si m'ta prend la ça, m'voye la et puis m'voye sol ça la pito. Tout de ça c'est même accord que c'est toujours la mineur 7e parce que j'ai 4 notes que m'besoin pour m'gain la mineur 7e là. M'gain accord de la mineur là
qui c'est la do mi plus mien sol là qui c'est fait la mineur septième là. Là me toujours même bagaille là. La do mi et puis septième là. La tout c'est toujours même bagaille là, mien la do mi et puis mien septième là. Donc li pral pour capable toujours songer ça, il pral vinn en question d'habitude tout, en question de pratique, ça veut dire plus ou utiliser, c'est plus la vinn plus facile pour capable songer. Donc par exemple, si me fait ça. Ou bien me fait ça. C'est ma fait. Oh, toi nos cœurs. Ouais, me fait ça. Oh, on va utiliser tous les quatre notes non seulement. Hein? Cependant là, on a un accord majeur, on a do majeur septième là, on a do majeur septième là. Par le fait que tout accord besoin, on a do mi sol là avec notre besoin pour le faire do majeur septième là, qui c'est si. Donc on a tous les quatre là. Ouais, do mi sol et puis on a si là. De même pour do et septième dominant tout. Voilà, m'gen do septième dominant. OK, c'est ça. Après ça tout, on va l'utiliser et une série de chanter que nous probablement connaît pour me capable et illustrer et accord ça. Mettez accord ça en dedans. Donc par exemple, on pense en pile nous connaît ça déjà. Do septième dominant, c'est des pour absorber de do ou pour aller dans fa. Do septième dominant toujours marché. Donc c'est ma fait. Et tout puissant comme mon cœur considère. Non, ça fait. De posterne devant toi, nous t'adore. Ouais, donc il toujours marché. Après ça, me dessous de ban un exemple de do majeur septième. De do majeur septième là. Voilà, me fait la mineur septième là. Je suis centré ici et senti l'amour. OK. Je suis centré ici. Donc c'est comme ça. Donc en gros c'est ça, c'est de trois accords ça on me devine parler aujourd'hui hein. M'espère que tu apprends un bagage de li. Après ça gain deux autres accords septième encore qui c'est accord diminué septième et demi diminué septième que m'étais parlé de tous deux dans vidéo que m'étais suggéré non depuis dans commencement vidéo ça. Donc me souhaiter que vous regardez vidéo ça et puis ou pas apprendre plus toujours. Merci un peu les amis de ce que tu prends temps pour te regarder vidéo ça. M'espère que tu apprends un bagage ou tu apprends et au comprendre qui ça y ont accord septième différent accord septième yo accord mineur septième accord majeur septième accord septième dominant. Donc si vous aimez mes vidéos a quitte un like pour faire pour rappeler moi qu'on aime mes vidéos mais juste pour rappeler moi quand même juste quitte un like. Donc à la prochaine pour l'autre vidéo et merci encore.